présenté d'un visiteur qui, lui, sera invité le 12 mars à notre dernier meeting de campagne. Je vous demande de l'applaudir, il s'agit du député européen, ancien magistrat que certains connaissent dans la salle, notre ami Jean-Paul Garot qui nous vient en voisin. De la démocratie, qui en réalité sont les seuls à ne pas respecter la liberté d'opinion, les seuls à chaque fois à s'opposer à ce que quand je vois ces champions d'opérette de la démocratie, j'ai envie de leur dire franchement, il ferait mieux de retourner chez eux, qu'ici, il n'y a aucun problème, il y a des Français qui tout simplement croient en leurs idées, respectent les lois de la République, ce qui n'est certainement pas le cas quand on veut empêcher les gens d'assister à une manifestation. Je permettrai de rajouter que je remercie les policiers, quelques rares policiers qui étaient là à l'entrée, et je suis quand même surpris que, par moment, les forces publiques soient si attentives à protéger certains élus macroniens et si négligentes quand il s'agit d'assurer la sécurité d'entre nous. Alors, chers Louis, chers amis, je suis provençal et vous le savez, les Provençaux aiment les Catalans. Au moment du grand mouvement qui permit de remettre la langue provençale au goût du jour, l'initiative, je ne l'oublie pas, fut prise notamment avec ceux qui œuvraient à faire vivre ou revivre la langue catalane. Et élu du Vaucluse, j'ai grandi au rythme de la, au son plutôt de la coupe au centre, Provença, réussi la coupe qui est le vin du catalan. C'est donc naturellement pour moi un moment de joie d'être ici aujourd'hui parmi vous. À Perpignan, terre de tradition, terre d'histoire, mais aussi terre de rugby. Cette joie se double d'un véritable plaisir personnel, tant je tiens à témoigner d'amitié à Louis, artisan infatigable, tenace, courageux comme l'Ariège qui a vu grandir, pyrénéen en somme, avec l'opiniâtreté de ceux qui, dans cette élection, comme dans tout moment de la vie politique, ont décidé de ne pas s'en laisser compter. Je saluerai aussi mon ami et compère Jean-Paul Garot. Nous avions fondé ensemble la droite populaire, c'était si ma mémoire est bonne, le 14 juillet 2010. Parce qu'à l'époque, on avait la mauvaise pensée de dire que si l'ouverture en cette année de 2010 devait aller à gauche, elle devait quand même aussi aller à droite. Et que quand on avait promis de brancher le Karcher, il était peut-être nécessaire par moment de brancher le tuyau. Bref, quand on ne réalise pas son programme,
Quand on ne réalise pas son programme en politique, on sait que les premiers à vous sanctionner, ce seront les électeurs. Enfin, ma venue est également liée à un bonheur politique. Louis Alliot incarne à la perfection ce rassemblement de la droite que j'appelle de mes voeux depuis longtemps, que nous appelons de nos voeux depuis longtemps. Franchement, quand on me dit, mais il y a un parti infréquentable parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Une fois que vous avez dit ça, après, il n'y a pas grand-chose après. On n'a pas la même histoire. Si on a les mêmes valeurs, on est tous, quelle que soit notre histoire politique, attachés à une idée de la France, fiers de son histoire, fiers de ses traditions, fiers de ce qu'elle est, de ce qu'elle veut rester. Et quelle que soit notre histoire politique, ce qui compte, c'est pas ce qui nous a séparés dans le passé, mais c'est les combats que nous avons à mener ensemble pour l'avenir. Et aujourd'hui, avec Jean-Paul, nous faisons partie de ceux qui pensent que, quand on voit l'état de la France, quand on voit les menaces qui pèsent sur notre pays, le problème n'est pas de se dire que dans les années 80, on s'est battu, mais de se dire que peut-être à partir de 2020, il est ensemble que tous ceux qui partagent effectivement cette même foi dans notre pays se mettent ensemble, et que si on ne le fait pas maintenant, ce sera peut-être trop tard après. Alors je suis là, vous en doutez bien sûr, pour soutenir Louis Alliot dans ce combat pour Perpignan, un combat qui est devenu presque un combat national, mais toi tu sais très bien que c'est avant tout un combat pour tes administrés, pour la ville de Perpignan, pour tes concitoyens, puisque on a appris qu'à quelques centaines de mètres, on a le responsable du parti écologiste qui tient meeting. Vous savez, au-delà des étiquettes nationales, il vaut toujours mieux un maire qui rassemble aussi bien des électeurs venant de tous les horizons de la droite, des Républicains, de demain de la France, du Rassemblement National, qu'un élu qui se pliera au bon plaisir d'Emmanuel Macron. Il faut toujours mieux un maire unissant toute la droite qu'un socialiste distribuant des subventions à toutes les associations communautaires. Il vaut toujours mieux... Et il vaut toujours mieux un maire unissant toute la droite qu'un écologiste sectaire qui confond la gestion municipale avec les gesticulations de Greta Thunberg. Alors Perpignan, par moments je lis les candidats écologistes. D'ailleurs j'ai lu ce que disait la candidate écologiste à France Inter au sujet du maire sortant. C'est complètement ridicule de se lancer dans une élection à partir d'un sondage. Ils se foutent Perpignan. C'est pas nous qui le disons, ce sont les écologistes. Ils se foutent Perpignan. S'il perd demain, il ira jouer au golf à Marrakech. Il est en bout de course. Marquez au moins un golf, c'est vrai. Mais aujourd'hui, le problème est de faire le bon choix pour Perpignan. Mes amis, avec un peu d'effort, il faut réunir dès le premier tour le plus gros score possible autour de Louis et de sa liste pour faire en sorte que le masque tombe, pour faire en sorte que la farce du club des intérêts acquis, maquillés désormais en front républicain, tombe en désuétude. Et c'est partout pareil en France. La parole publique est décrédibilisée par ces hommes de passage qui finissent tous par communier au même slogan « Barrage au rassemblement, barrage à l'extrême droite ». Est-ce que vous êtes l'extrême droite? Est-ce que nous sommes l'extrême droite? L'extrême droite, et je le dis avec sympathie aux journalistes, on a presque l'impression, vous savez, que c'est comme au patinage artistique, il faut mettre le Rassemblement National, le parti d'extrême droite, pour bien marquer. Être extrémiste, être d'extrême droite, c'est ne pas respecter la démocratie. C'est d'empêcher les autres, par exemple, je pense qu'ils sont bien plus extrémistes que nous ici. Être extrémiste... Le Rassemblement National, aujourd'hui, est un parti comme un autre, qui se félicite quand il gagne les élections,
qui s'incline devant le suffrage universel quand il perd l'élection. Et il est temps qu'en réalité, cette caste des sortants, quel que soit leur bord, arrête avec cette comédie du Front républicain. Le Front républicain, en réalité, ce n'est que le cartel de ceux qui veulent garder leur poste, qui n'ont plus d'idées et qui sont prêts à s'allier ensemble pour sauver leur siège. Alors, chers amis, les villes de France méritent mieux et Perpignan beaucoup mieux. Perpignan a besoin d'une nouvelle équipe. Quand je vois ce qui se passe à Perpignan, on voit très clairement qu'en réalité, c'est la même équipe qui se passe le pouvoir, qui se passe les plats, les fonctions depuis 40 ans. Et le maire sortant est certes républicain, mais j'allais dire avec quelle conviction. Quand on sait qu'il est allé quémander le soutien ou la neutralité à En Marche pour faire en sorte de ne pas avoir de problème, quelle conviction, quelle crédibilité peut-on lui accorder? Et il est intéressant d'analyser les profils des adversaires de Louis Alliot. Je tombais récemment sur une des candidates de la liste En Marche, en charge de la culture. Alors, dans cette vidéo, elle expliquait sur son compte Twitter qu'il fallait, pour Perpignan, la fin d'une culture élitiste pour l'avènement d'une culture partagée, inclusive et participative. C'est beau, franchement. C'est beau, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en réalité, c'est toujours ce vocabulaire-là qu'on emploie quand on est à court d'idées. Nous, dans les listes, nous voulons, comme Louis, une culture populaire, une culture locale, une culture ouverte qui se transmet, qui se concentre sur ce qui se transmet. Ce qui se transmet peut être contemporain ou ancien, là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on ne transmet rien qui ne soit déjà ancré dans une histoire, un territoire, une tradition, une région. J'ai été en charge, dans le Vaucluse, de l'Orchestre Régional d'Avignon, des Corrigés d'Orange pendant 23 ans au Festival d'Opéra. Et comme vous, je suis amoureux de la culture sous toutes ses formes et sous toutes ses exigences. Mais j'ai remarqué que chaque fois que nos adversaires nous expliquaient qu'eux luttaient pour un modèle inclusif, participatif, ça signifie en réalité que pour eux la culture doit se cantonner à un cercle restreint d'initiés. Nous voulons une culture pour tous. Et je fais une grande confiance à lui pour transmettre effectivement, quand il sera maire, l'authentique, l'original. Il démontrera là aussi que les caricatures proposées du Rassemblement National sont infondées. Nous voyons déjà pointer les arnaques habituelles dans ces municipales. Les vierges effarouchées, je le disais, rassemblées pour appeler au Front républicain. Les menaces, les cris de désespoir, en un mot, tout ce que les élites en pleine démission utilisent comme artifice pour se maintenir et retarder leur éviction. Mais cela ne se fera pas. Parce qu'à Perpignan, on sait que Louis, votre député, est un gars du cru, un gars du coin, qui a des solutions pour une ville qui souffre de ces sornettes qui voudraient imposer l'absence d'alternative politique comme seul horizon des élections. Le maire serait condamné à être réélu pour éviter un danger imaginaire. Non, le danger réel, c'est d'avoir la même majorité qui continue pendant 6 ans de plus, c'est d'avoir les mêmes qui continuent la même politique de compromission avec le communautarisme, de démission devant l'insécurité, et pour cela, la seule alternative, c'est Louis qui la représente. Aujourd'hui, regardons autour de nous, dans toutes les mairies administrées par un maire proche ou se réclamant du Rassemblement National, la gestion est inattaquable. D'ailleurs, c'est ce qui désole nos adversaires. Je dirais même exemplaire. En réalité, quand vous regardez Fréjus, Beaucaire, Béziers, Hénin-Beaumont, à chaque fois, la délinquance a baissé parce qu'un effort réel a été fait sur la sécurité, les impôts ont été maîtrisés, l'endettement a été limité, et le cadre de vie a été embelli. Prenons un exemple. Mes amis, vous connaissez Béziers et son maire courageux. Que n'a-t-on pas dit sur Emmanuel, sur M. Bénard? Certains médias venaient l'attaquer en masse, brocardant toutes ses initiatives, avant de se rendre compte qu'à chacune de leurs dénonciations, en réalité, il lui faisait gagner en popularité. À Béziers, grâce à Robert Bénard,
les férias sont redevenues une fête populaire, loin de l'insécurité chronique qui les cachait. À Béziers, les impôts baissent, et la police municipale s'agrandit, loin de cette gauche qui s'oppose formellement à tout déploiement des polices municipales. Je vous rappelle quand même que la France insoumise n'hésite pas à qualifier les polices municipales de milices privées. À Béziers, la culture authentique est revenue, repensée à travers le vrai symbole historique de cette ville. Quel Perpignanais n'a pas envie de se lâcher? Les oiseaux de malheur ont beau s'agiter, vous savez bien qu'il faut juger lui sur ses qualités et qu'il fera un excellent maire de Perpignan. Alors on a beaucoup entendu qu'Emmanuel Macron avait réussi le tour de force d'absorber le centre-droit et le centre-gauche en France. Rappelons qu'il a fait, hélas, sans trop de difficultés. En 4 ans, la formation à laquelle nous avons appartenu avec Jean-Paul, les Républicains ont perdu les 3/4 de leurs adhérents. De 58 000, désormais, alors qu'ils étaient 240 000 en 2015. Et quand je vois l'évolution de ce parti qui se dit représenté à droite, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'ils ont mis comme vice-président Gaël Perdriau. Gaël Perdriau, c'est le maire de Saint-Étienne, j'étais d'ailleurs à Saint-Étienne pour soutenir notre candidat il y a quelques jours, c'est le maire de Saint-Étienne qui jugeait qu'Éric Zemmour était responsable des attentats de Bayonne. C'est le maire de Saint-Étienne qui mettait dans ses propos au conseil municipal le terrorisme islamique au même niveau que le terrorisme, je cite, Jean-Bombeur Beaujolais. Les Républicains n'ont pas seulement abandonné leurs convictions, ils ont trahi leur engagement. Laurent Wauquiez, à l'époque, invitait les polémistes de droite à la tribune, mais ensuite, c'était pour mieux se coucher devant la gauche. Et si on nous dit que François Baroin serait le candidat déclaré pour les présidentielles de 2022, franchement, Emmanuel peut dormir tranquille, car en réalité, François Baroin ne sera qu'un Macron light. Il n'incarnera en aucune manière une alternance crédible. Et quand je vois d'autre part des élus qui se disaient fiers de leurs convictions, Christian Estrosi à Nice, ou Natacha Bouchard à Calais, pourtant ville, si vous me permettez, martyre de cette immigration clandestine qui pourrit littéralement la vie du Calaisien. Eh bien, quand je vois qu'en réalité, ils s'accoquinent au municipal avec La République En Marche, ou sans le dire, des responsables de La République En Marche, sans en prendre l'étiquette, je me dis qu'aujourd'hui, le parti qui incarnait la droite n'incarne plus rien, si ce n'est que certaines compromissions. Et aujourd'hui, ce seul parti qui défend les idées auxquelles nous étions attachés, c'est le Rassemblement National. Les Républicains sont devenus un parti sans stratégie, sans direction. Sans autre discours aujourd'hui, et l'exemple des retraites l'illustre parfaitement, sans autre discours que la validation des grandes réformes de Macron, pour en critiquer certes quelques détails. Mais c'est un parti qui n'a plus de ligne politique. Et quand on regarde les alliances qui désormais sont faites aux municipales, on est quand même en droit, malheureusement, de se dire que c'est désormais un parti en pleine dérive. Je prendrai quelques exemples puisque je fais 2 ou 3 réunions par semaine. La semaine dernière, j'étais à Nancy. À Nancy, vous découvrez que les centristes, puisque la mairie est dirigée par Laurent Ménard, les Républicains et En Marche se sont tous mis ensemble et font une grande liste. J'étais dans l'Eure. Dans l'Eure, il n'y a pas une seule liste des Républicains. Il est vrai que l'Eure est le département de M. Le Maire et de M. Le Cournu, qui sont dans le gouvernement de M. Macron. Alors, En Marche, les Républicains sont tous ensemble, dans des listes ensemble pour l'heure, mais en réalité, c'est ni plus ni moins que la collaboration petit à petit qui se met en place entre ces deux partis. Enfin, dernier exemple, j'avais hier Julien Sanchez, qui parlait de Tarascon, et il me disait, dans ma ville, à Beaucaire, désormais, c'est quand même assez extraordinaire, sans mettre en avant leurs étiquettes, les élus socialistes et les élus républicains ont décidé de faire liste ensemble pour nous barrer la route. Comment peut-on encore incarner la droite quand aujourd'hui on en est prêt à tant de compromissions? Comment peut-on encore dire qu'on incarne une alternative quand désormais on est main dans la main dans de très nombreuses villes avec En Marche? Et il n'a plus
Ce parti n'a plus d'intérêt car il a refusé ceux qui lui conseillaient d'écouter tant d'amis de la droite populaire depuis des années, à savoir sortir de la soumission culturelle, abandonner cette erreur constante de l'ouverture aux socialistes et du rejet du projet d'une grande droite réunie. Chaque fois que les patriotes ont voulu plaire à la gauche, ils se sont naufragés, ils ont disparu. Chaque fois qu'ils ont été fiers de leurs convictions et les ont tenues jusqu'au bout, ils en sont sortis. J'espère que les électeurs et militants des Républicains ici à Perpignan ne se tromperont pas. La droite a besoin d'eux. Louis Alliot a besoin d'eux. Car face à lui, c'est une alliance arc-en-ciel des lieutenants d'Emmanuel Macron ou des anciens notables du Parti Républicain qui se met en place. Aujourd'hui, il faut que cette union se fasse en faveur de celui qui porte des convictions claires, de celui qui ne fera aucune compromission pour Perpignan ou Mérou. Face à Macron, la seule famille politique unie et concentrée, c'est celle qui est aux côtés de Marine Le Pen. C'est celle qui pense d'abord à la France plutôt que de penser aux petits arrangements. C'est celle... qui a compris que les beaux discours d'Emmanuel Macron sur l'immigration ou la nationalité en réalité étaient creux, puisque jamais, l'année dernière, l'immigration n'a atteint un tel niveau. C'est celle qui sait à quoi s'en tenir sur la réforme des retraites. Quand Macron, depuis 2 ans et demi, mène les Français en bateau de commission en expert, pour qu'en réalité on découvre à la dernière semaine qu'on a une réforme qui vous est présentée où c'est un peu la loterie, la simulation n'est toujours pas en place, on fait cette réforme, le Conseil d'État, pourtant organisme de justice administrative, on ne peut plus indépendant, a rendu un avis accablant en disant que le coût n'était pas maîtrisé, qu'on ne savait pas exactement où cette réforme nous menait, on croyait avoir élu des professionnels, on découvre qu'en réalité on a des communicants qui ne sont que des bricoleurs. Et il faut aussi savoir à quoi s'en tenir sur les incantations du président de la République sur l'ordre public. Quand Emmanuel Macron mobilise sciemment toutes les oppositions sociales, les provoque, crée le chaos pour se poser en protecteur de la démocratie, on sait très bien que c'est une manipulation. Et quelle image lamentable on donne à l'étranger et on donne aux Français. Quand on voit quasiment depuis plus d'un an que la police est lancée contre le peuple, que les policiers en arrivent à se battre avec nos pompiers, et qu'en réalité, chaque fois que l'extrême gauche vient passer, et qu'en réalité, chaque fois que les Black Blocs ou l'extrême gauche, oui, la honte, c'est chaque fois aussi que l'extrême gauche vient casser, eh bien, on voit qu'ils arrivent à repartir, alors que les manifestants, eux, sont aux premières loges pour justement faire les frais de cette manifestation. La France aussi sait à quoi s'en tenir sur les insultes faites à l'histoire. Je pense aux Français d'Algérie, aux Harkis, et à tous nos anciens qui furent déployés dans l'ancien département français. Quand La République En Marche veut concurrencer la France insoumise sur le marché des votes communautaires. Comment peut-on admettre qu'un président qui, déjà, à l'époque, on pouvait se dire c'était une bourbe, qui, pendant sa campagne électorale, avait parlé des crimes contre l'humanité de la France pendant la guerre d'Algérie, n'hésite pas à faire le parallèle entre la guerre d'Algérie et la Shoah. Quelle honte pour quelqu'un qui a en charge l'histoire de notre pays. Quel mépris pour tous ceux qui, à un moment ou à un autre, se sont engagés en Algérie, et quel mépris aussi pour la Shoah, qui n'a pas besoin d'avoir des comparaisons aussi ridicules. Nous sommes conscients du tort que Macron fait au pays, et nous souhaitons aller au-delà. Chaque semaine, d'ailleurs, au Parlement européen, avec Jean-Paul, nous constatons le double discours. Emmanuel Macron, en France, explique qu'il veut limiter l'immigration. Et ces députés au Parlement européen sont là aux premières loges pour condamner Salvini quand celui-ci bloque l'immigration en Italie et sont les premiers à condamner la Hongrie ou la Pologne qui veulent voir leur souveraineté respectée.
Il y a là assez de ce double discours, de ce président qui en réalité tient des discours de circonstance pour plaire à son électorat du moment. C'est plus digne d'un représentant de commerce que d'un président de la République française. Et puis pour revenir une dernière minute sur Perpignan. Je ne suis pas un spécialiste de la gestion de la ville, vous m'en excuserez. Mais j'étais ici le 27 janvier 2011. Ça ne vous dit rien, mais le 27 janvier 2011, c'était la date où on a officiellement inauguré la ligne à grande vitesse Figueras-Perpignan. Et à l'époque, je me souviens des projets, parce que cette ligne à grande vitesse Figueras-Perpignan, ça ne devait être qu'un barreau de la ligne qui permettait de faire de Barcelone à Paris, de remettre Perpignan au centre du développement économique. Quand je vois par exemple que Perpignan aujourd'hui n'est toujours pas desservi par la grande vitesse, j'ai envie de dire, mais qu'a fait le maire depuis 2011? Qu'a fait Madame Delga, qui pourtant était ministre de Monsieur Hollande et aujourd'hui présidente de la région? Et quand on me dit que désormais ce fameux barreau entre Perpignan et Nîmes est renvoyé au calende grec, comment le maire de Perpignan peut-il accepter que sa ville soit l'une des rares en France à ne pas bénéficier de la grande vitesse? Comment peut-il accepter que finalement les Perpignanais restent à l'écart de ce qui désormais en France est quasiment la règle? Je sais qu'à Toulouse ce n'est pas le cas encore, mais c'est prévu. Que cette grande vitesse, bien finalement, vous en soyez exclu. Et en plus, quand j'ai voulu venir à Perpignan, quand je vois le prix des billets d'avion, je crois que c'était 400 ou 500 euros, franchement, quand on est maire depuis deux mandats, on devrait se poser des questions sur son efficacité et qu'est-ce qu'on a fait pour désenclaver et faciliter les transports pour sa région. Il s'agit tout simplement d'écouter ce que veulent les Français. Oui, traditionnellement, comme certains, comme Jean-Paul, comme Louis aussi dans une autre famille, on est plutôt de droite. Mais on voit que tout ça est en train de voler en éclats. Et qu'aujourd'hui, en réalité, vous avez effectivement ceux qui se sentent très bien dans la culture mondialiste, qui vous expliquent qu'après tout, si on accueille des produits agricoles d'Amérique latine, d'Afrique du Nord, ou parfois de régions un peu moins lointaines, et qu'après tout, les produits du Roussillon se retrouvent avec des trains qui, par moments, ont un trafic hésitant, eh bien, c'est pas grave, c'est la mondialisation. Nous pensons, au contraire, qu'en réalité, aujourd'hui, à Perpignan comme ailleurs, la frontière est claire. Il y a ceux qui sont attachés à la nation et qui vous vivent dans la réalité. Oui, aujourd'hui, le monde se mondialise. Et c'est pas parce que le monde se mondialise que la France doit disparaître. Et quand vous regardez ce que font certains États européens, je citais tout à l'heure la Hongrie, la Pologne, quand je vois par exemple ce que font les Britanniques, je ne suis pas partisan, je le dis tout de suite, de quitter l'Union européenne, mais il y a des moments où les peuples se relèvent et disent on ne peut pas accepter n'importe quoi. Et ce mondialisme est aujourd'hui le danger qui nous menace en France. Ce danger du mondialisme, vous le savez, c'est d'abord un danger qui consiste à dire nos frontières doivent être ouvertes, parce que l'immigration est positive. C'est un danger qui consiste à dire nous devons accepter toutes les cultures chez nous, parce que finalement c'est un enrichissement mutuel, mais qui oublie simplement par moment de défendre la culture française. Nous devons... qui accepte aussi toutes les démissions, toutes les compromissions, et qui nous explique par exemple quand je vois ce qui se passe au niveau du terrorisme, eh bien oui, il faut pardonner, il faut comprendre, par moments ils ont été là-bas comme infirmiers, cuisiniers, maroquiniers, je ne sais quoi, et après tout, ces djihadistes qui sont partis loin de France, aujourd'hui, il faut les récupérer. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucune compromission à avoir face à l'immigration débridée, aucune compromission face à un communautarisme qui, chaque jour, avec la complicité de certains maires, gagne du terrain,
aucune compromission avec le terrorisme à avoir. Aujourd'hui, pour reprendre la distinction de Jérôme Sainte-Marie, c'est effectivement le bloc populaire qui prend la mesure de sa force face au bloc militaire. En un mot, la France qui ne supporte plus celle des gens qui sont importants, la France qui ne supporte plus qu'elle d'être accusée de passéiste, d'extrémiste. Bref, Macron, c'est le mépris de classe. Nous, ce que nous voulons, c'est le respect des Français. À la droite populaire, on a eu un signal politique essentiel. Tant le discours politique ne se retrouve plus dans les réalités du terrain, tant, comme je le disais, il faut appeler un terroriste et non pas un déséquilibré, une racaille, non pas un jeune. Il n'est pas normal en France de céder devant tous ces petits trafics, toutes ces violences et d'accepter de voir, aujourd'hui c'est plus les banlieues, mais l'ensemble de nos villes et nos villages, petit à petit, gangrénés par un immense sauvagement où tous les trafics et toutes les violences sont quasiment admises avec résignation. Alors en conclusion, à Perpignan comme ailleurs, nous voulons bâtir, édifier de nouveaux liens avec les Français. Nous voulons qu'à Perpignan se bâtisse, ici comme ailleurs, une nouvelle majorité. Oui, la droite populaire que nous avons créée avec Jean-Paul est fière de soutenir Louis et tant de candidats de l'Union des droites dans cet engagement. La réunion des talents à droite est l'étape fondamentale pour, dès le premier tour, assurer les victoires au second tour. Et vous connaissez tous la citation de Dali dans son journal d'un génie en 1964, « La gare de Perpignan est le centre du monde ». Mais on oublie souvent la suite. C'est toujours à la gare de Perpignan, c'est Dali qui parle, que me viennent les idées les plus géniales de ma vie. Alors, en pensant à cette phrase, je ne sais pas si c'est une des idées les plus géniales de notre vie, mais ce que nous voulons ici à Perpignan avec Jean-Paul, c'est lancer un appel à tous ceux qui, à un moment, ont soutenu, participé, adhéré ou simplement voté pour ce même parti qui était RPR, les Républicains ou l'UMP. Aujourd'hui, la seule opposition à ce gouvernement, les seuls qui incarnent vraiment une alternative à Emmanuel Macron, c'est les candidats qui se présentent en représentant cette droite. C'est ici Louis Alliot, c'est ailleurs des candidats qui ont su, comme Louis, faire le rassemblement avec des militants du Rassemblement National, avec des militants de la droite populaire, et puis tout simplement avec des Français qui n'ont jamais eu de carte, mais qui se disent « c'est assez pour ma ville, pour mon pays, je dois me mobiliser ». Et pour cela, Louis, c'est un appel à ne pas se résigner. Un appel de ceux qui ne veulent pas que cette fracture sociale s'agrandisse, que cette casse orchestrée de notre système social par Emmanuel Macron continue. Un appel de ceux qui savent que par moments, les frontières sont notre dernier rempart quand la nature même de notre pays est menacée. C'est ceux qui savent que face aux menaces de l'islamisme radical, la France ne doit avoir aucune compromission et aucune faiblesse. Un appel de ceux qui n'accepteront jamais les victoires du communautarisme. Un appel de ceux qui refusent l'explosion des agressions, de la violence, de ces morts auxquelles on s'habitue malheureusement jour après jour. Bref, à Perpignan comme ailleurs, c'est ceux qui veulent qu'on retrouve une France moderne, une France qui est dans le XXe siècle, mais une France aussi qui respecte son histoire, qui respecte ses valeurs. C'est pour cela qu'à Perpignan, nous vous appelons sans aucune réserve et dès le premier tour à soutenir Louis Alliot, le seul qui représente le véritable.
Gaulle, on sait que vous portez au Parlement européen la voix de la France dans une enceinte qui, malheureusement, oublie bien souvent que l'Europe n'est l'agglomérat que des nations qui la composent et qu'elle n'est pas ce vaste espace marchand où l'on oublie l'homme pour faire prévaloir le marché. Merci du fond du cœur, parce qu'il faut des combattants, il faut des gens courageux, et c'est vrai que la droite populaire fait partie d'un trait d'union, en quelque sorte, entre l'ancien monde et le nouveau monde que nous sommes en train de créer, en tout cas à droite, ou en tout cas dans le monde des patriotes, parce qu'il est vrai que beaucoup de compromissions ont fait beaucoup de mal, et que si nous sommes dans cette situation, c'est aussi parce que beaucoup d'hommes politiques soit se sont résignés, soit ont lâchement abandonné le peuple français, vis-à-vis duquel pourtant ils avaient une responsabilité de protection. Nous sommes ici à Perpignan pour des élections municipales. Elles revêtent une importance capitale pour notre avenir. Ma candidature est celle du bien commun. Les personnalités attachées à la défense de ce qui fait la France doivent se montrer responsables pour l'avenir de nos enfants. Nous avons d'ailleurs montré avec la gestion de nos mairies, que ce soit à Beaucaire, à Béziers ou à Fréjus, que nous étions en capacité de gérer rigoureusement et raisonnablement les exécutifs locaux. Il est temps de sortir des postures stériles qui nous ont condamnés à l'affrontement, alors que nous avons tout pour nous entendre et pour gouverner efficacement. C'est le piège de François Mitterrand qui a permis au Parti Socialiste de se maintenir au pouvoir, puis à Emmanuel Macron d'y accéder, faisant de lui un président sans réel soutien d'une majorité de l'opinion publique. L'urgence est là. Il nous appartient de réconcilier les Français avec leur classe politique. Nombre de nos compatriotes ont renoncé à voter, à s'engager. Ils ne croient plus en rien, parce que le système électoral est une machine à broyer. Ils sont en situation d'impuissance, persuadés que jamais rien ne pourra changer, que leurs choix ne seront pas entendus. C'est notre devoir de leur prouver le contraire, d'entendre ce qu'ils ont à nous dire et de leur montrer qu'ils peuvent être représentés par des élus soucieux de ce qu'ils sont. À Perpignan, comme dans les Pyrénées-Orientales et en Occitanie, Roussillon, de manière générale, j'espère lancer un mouvement capable de changer les règles du jeu et de redonner le pouvoir aux citoyens de tous les horizons. J'appelle donc les hommes et les femmes, de bonne volonté au rassemblement le plus large possible pour imaginer la ville de demain dans une France que nous voulons libre, prospère et sûre. Et c'est pour cela. Perpignan est à l'image de la France, une union des contraires qui ne s'harmonise plus, un millefeuille communautaire. Notre peuple et notre ville ne font plus corps. Un climat délétère s'est propagé, faisant de notre cité un champ de bataille au quotidien. Le peuple réclame des alternatives. Il est l'otage d'un système institutionnel dans lequel il ne se sent plus correctement et justement représenté. Le pouvoir n'a toujours pas pris la mesure de la fracture culturelle qui est à l'œuvre. Nous n'avons plus de chef, mais uniquement des syndics de faillite, sans vision pour l'avenir de Perpignan. Le résultat, c'est cette violence permanente qui est désormais le seul moyen de communiquer pour beaucoup de milieux, avec malheureusement la complicité du système en place. Les Pyrénées-Orientales et Perpignan sont le plus parfait exemple de cette décadence. C'est un système fait de barons locaux et de copinage inouï, de la fausse droite municipale qui règne ici depuis plusieurs décennies à la gauche départementale uniquement mue par des totems idéologiques, en passant par la sectaire Carole Delga à la région Occitanie. C'est une forteresse de préjugés et de bêtises qui se dresse devant nous, une muraille verrouillés par les intérêts personnels de ceux qui s'y retranchent. Ils ont échoué, à tel point que notre ville souffre de maux importants, tenaces et ancrés. La réalité sociale de Perpignan montre qu'elle va mal. Elle souffre de la pauvreté, du chômage, de l'insécurité. Elle est une ville
endettée, capitale d'un département qui ne l'est pas moins. Mais ce n'est que le cadet de leurs problèmes, puisqu'ils semblent n'avoir qu'une crainte que nous puissions accéder à la mairie de Perpignan. Tout sera bon pour tenter de nous empêcher de reprendre le destin de Perpignan en main, alors que notre région n'intéresse habituellement personne à Paris. Nous nous retrouvons au cœur de toutes les attentions, à 3 mois des élections, avant de retomber, après le mois de mars, dans l'anonymat le plus total, au cas où la gauche et la droite gagneraient la loge de maire. Mes adversaires agitent... les pleurs et les caricatures grotesques à l'endroit de tous nos amis et particulièrement de notre ami Robert Ménard qui a pourtant relevé Béziers d'une situation à l'époque très préoccupante. Elle utilise tous les moyens à sa disposition, ses réseaux, les institutions, la région, contre toutes les candidatures municipales qui n'ont pas le petit doigt sur la couture du pantalon. Mais de quoi diable ont-ils peur? La gauche n'aurait-elle pas assez de pouvoir en Occitanie et dans les Pyrénées orientales? On constate à quel point la région comme le département sont bien gérés par cette gauche moralisatrice et donneuse de leçons. En quelques mots, explosion de l'endettement, des personnes dépendantes, dynamisme économique au point mort, insécurité, chômage, désertification. C'est leur bilan à cette gauche-là, et c'est ce bilan-là qu'il faut leur lancer. Ce ne sont pas des privilèges dans les promesses oubliées de la couronne qui changeront quelque chose au ressenti des Perpignanais. Notre ville a été laissée à l'abandon. Elle a besoin de sang neuf. Ils souhaitent vous rééduquer, vous dire que penser. Mais sont-ils déjà venus dans vos rues, dans vos quartiers, dans vos familles, pour voir ce qui s'y passe? Certainement pas. Et tout le bilan des Pyrénées-Orientales aujourd'hui, il est exactement à mesurer à cette échelle-là. C'est bien Thierry que tu sois venu ce soir, tu as été ancien ministre des Transports et tu connais particulièrement la problématique. On est quand même le seul département de France à avoir, dès qu'il y a de la pluie, la seule route qui nous amène sur le plateau de Cerdagne qui est coupée systématiquement. Nous sommes l'une des seules régions de France, tu l'as dit, à ne pas avoir le train à grande vitesse. Nous sommes la seule région de France à cumuler des taux de pauvreté et des taux d'insécurité très supérieurs, très largement supérieurs à la moyenne nationale, ce qui démontre bien que les élus qui nous donnent des leçons toute la journée, dans toutes les colonnes de journaux et à la télévision, sont exactement les mêmes qui nous ont conduits à la ruine et qui nous conduiront demain à une décadence beaucoup plus grave. Dans le même temps que ces personnes s'agitent en criant au loup, nos quartiers manquent d'infrastructures de base, notamment relatives à l'accueil des enfants hors des périodes scolaires. La situation est inadmissible compte tenu du fait que Perpignan est l'une des villes de France ayant proportionnellement le plus de familles monoparentales. Quant à Jean-Marc Pujol, il ne fera rien qui puisse gêner le pouvoir socialiste. Et je le dis à beaucoup de personnes que je rencontre qui n'osent pas encore, j'allais dire, quitter les votes de cette ancienne majorité municipale. Il est délégat compatible, comme son ancien allié, premier adjoint Romain Gros. Romain Gros, devenu le VRP du président de la République dans le département, il va où on lui dit d'aller et fait ce qu'on lui dit de faire. Moi, je peux vous garantir au moins que je suis un homme libre. Libre. Des autres. Je n'aurai pas d'ascenseur à renvoyer à qui que ce soit lorsque je serai aux manettes. Je ne serai tenu par rien ni personne, contrairement à Jean-Marc Pujol,
qui a déjà négocié, je vous le parie, avec la République en marche, le Parti socialiste, pour le deuxième tour. L'action libérée des pesanteurs politiciennes et des dictats d'une correction politique devenue le paravent de la lâcheté. Quand Carole Delga se rend à Perpignan, elle évoque à peine les intempéries avant de se lancer dans une diatribe contre le danger que je représenterai. Mais il y a une grande différence entre elle et moi que vous ne savez peut-être pas, c'est que Mme Delga a été condamnée. Elle a été condamnée pour discrimination à caractère politique, condamnation confirmée en cour d'appel, parce que tout simplement, elle a sucré des subventions à une ville qui ne pensait pas comme elle. Et ce sont ces gens-là les extrémistes, ce sont ces gens-là les personnes. Nous savons où est le sectarisme dans le département. Nous n'avons pas besoin qu'on nous fasse la leçon. Et on sait très bien que quand on a affaire à ces gens-là, eh bien systématiquement, il n'y a que de la haine derrière leur discours. Et derrière leur discours, malheureusement, il n'y a aucune politique, si ce n'est la politique qui sert leurs intérêts ou les intérêts de leurs amis. Allons-nous nous laisser dicter notre conduite par ceux qui ont échoué en tout point? Allons-nous leur donner raison? Ce qui m'inquiète, c'est le danger bien réel et bien concret que nous expérimentons régulièrement. Les bandes de trafic de drogue, les agressions gratuites, le trafic dans certains quartiers qui devient endémique et inquiétant, avec des fusillades quasi hebdomadaires désormais. Car depuis quelque temps, Perpignan commence à faire la une des journaux, mais évidemment pour les plus mauvaises raisons. Je vous l'ai dit dernièrement, une fusillade près de l'école Victor Duruy mettant en péril la vie du personnel éducatif et des enfants. Le week-end dernier, personne n'en a parlé, en plein quartier Saint-Jacques, des poursuites et des coups de feu en pleine nuit à la Kalachnikov, qui réglait des comptes, je ne sais pas, entre des bandes rivales et entre guerres de gangs dans le trafic de drogue. Un jour, il y aura un drame. On a déjà eu un drame à Perpignan en 2005. Si nous ne faisons rien, le drame, le prochain, sera encore plus grave. Et ils en porteront l'entière responsabilité, à droite, à la mairie, comme à gauche, au département ou à la région, parce qu'ils n'ont pas voulu régler les problèmes qui pourtant sont des problèmes, je ne vais pas vous dire simples, mais en tout cas qu'il faut avoir le courage de régler. J'aurais donc une politique volontariste de reconquête républicaine, en réinstallant l'ordre républicain dans la cité. Il n'y a pas de nouvelle loi votée d'exception, il y a juste à appliquer la loi et à utiliser les forces de police à ce pour quoi elles sont faites, à protéger nos concitoyens et à protéger les institutions de la République. Je suis assez sidéré quand je vois que Romain Gros se présente comme monsieur sécurité, alors que depuis qu'il est élu député, après les difficultés que l'on connaît dans la gestion de son entreprise EAS à l'époque, peut-être nous reparlerons. Deux postes de police ont été fermés au Moulin à Vin et dans le Bavernais, précisément dans sa circonscription. Perpignan n'a pas non plus été sélectionné dans le dispositif de renforcement des effectifs du ministère de l'Intérieur, de nouvelles polices du quotidien. En 2005, 5 postes de police avaient été ouverts dans la ville pour le développement de la proximité. 13 ans plus tard, les bureaux du Moulin à Vin, de Claudio, de l'avenue de la Gare et de Vernis-Salanque n'existent plus. Cette politique a été décidée par le gouvernement de soutien du candidat de la République en marche, qui était en même temps le rapporteur spécial du budget de la sécurité intérieure. C'est vous dire s'ils prennent quand même beaucoup les gens pour des imbéciles. Et que se passe-t-il depuis un an? Il y a des fusillades.
traverse le Pia, cet été, devant un bar à Chicha, ouvrant la nuit après une dispute et dont on a eu le plus grand mal à faire fermer le rideau. Un bar qui, comme certaines épiceries nocturnes, siège d'incivilité régulière. Ces commerces poussent comme des champignons, y compris dans le centre-ville. Si nous n'intervenons pas, des quartiers deviendront des narco-quartiers, théâtre de fusillades à l'arme automatique, comme on les croyait uniquement réservés à Naples ou à Marseille. Il faut se battre pour que les Perpignanais soient en sécurité. Et pour ça, les parlementaires et les élus locaux du département ont le devoir d'être les avocats de la ville auprès de l'État, ou à défaut, d'alerter sur notre situation par les médias nationaux. Des maires, je le disais tout à l'heure, Thierry a juste raison, souvent de droite du reste, ont acheté la paix sociale en installant des grands frères qui pratiquent le chantage en monnayant les votes communautaires au moment des renouvellements des exécutifs municipaux. C'est reculer pour mieux sauter dans le vide et le néant. Jamais nous ne déshabillerons Paul le voyou pour habiller Jacques le dealer. Il existe d'ailleurs énormément de solutions innovantes qui ont fait leur preuve ailleurs et que je compte importer chez nous. Le fameux système H-Call, dont vous regarderez ceux qui le peuvent sur Internet, qui est un système qui permet notamment aux commerçants, et pas seulement, d'alerter la police en cas d'agression, en plus d'applications désormais sur les smartphones qui permettent de localiser une agression directe pour alerter la police et que celle-ci intervienne dans les plus brefs délais. Je vais proposer non pas un simple programme de sécurité, mais une vision pour réduire au maximum l'insécurité. Nous serons impitoyables. La tolérance zéro sera la règle. Je prendrai d'ailleurs la responsabilité personnelle de la question de la sécurité, car elle sera au cœur de notre action. Nous créerons de nouveaux bureaux de police en centre-ville, au Vernet ou au Moulin à Vent. Nous assurerons une présence de la police municipale 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Sur le créneau 21h-7h, nous prendrons aussi à bras le corps la lutte contre la drogue, puisqu'il s'est su, sans que le public y ait encore accès, que Perpignan est gangréné de part en part par le trafic. Le problème des personnes sans domicile fixe devra aussi être traité avec humanité, mais aussi avec énergie. En 2019, là encore, mesdames et messieurs, triste record, dont peu de monde, d'ailleurs, peu de politiques s'en sont émus, sans domicile fixe, est mort en plein centre-ville à Perpignan. Est-ce que les gens qui nous donnent des leçons d'humanité en permanence se préoccupent quand même de la situation de détresse de dizaines et de dizaines de personnes? Je ne le crois pas. Nous ne pouvons pas le tolérer. La loi doit être respectée partout, tout comme les citoyens, quels qu'ils soient. La tolérance zéro à l'égard des voyous est le préalable obligatoire pour redynamiser l'économie de la ville. Une ville propre, sûre, attractive, il n'y a pas de vie économique possible sans sécurité. Il faut que le cœur de Perpignan batte à nouveau avec ferveur. Cette identité retrouvée doit être un objectif politique, car c'est tout Perpignan qui en sortira grandi. Il faut que la ville soit un aimant, attirant à elle les plus beaux produits agricoles de notre département, qu'ils soient vendus dans de beaux magasins locavores, puis servis dans les restaurants, les cantines de nos écoliers. Pourquoi n'avons-nous pas de marché couvert digne de ce nom dans une ville? Pourquoi avoir tenté de porter atteinte
certaines collectivités, et je m'engage, je sais qu'il y en a dans la salle, non seulement à maintenir ce marché de gros, mais à en faire une vitrine qui soit à la fois... sens du terme, qui favorisera les circuits courts et qui permettra de faire vivre les producteurs de notre département. Pour que les Perpignanais et les gens de l'agglomération puissent faire vivre le centre-ville, il faut aussi leur faciliter le stationnement. Le fameux référendum local
avec l'Espagne et la Catalogne voisine. Nous avons tous les atouts, alors mettons-les en valeur. Nous ne sommes qu'à une heure de TGV du centre de Barcelone, c'est-à-dire moins de temps qu'il n'en faut pour se rendre de l'aéroport d'Orly au centre de Paris. Je ne vous dis pas de Perpignan à Paris, évidemment. Une chance exceptionnelle qui peut attirer des entreprises et beaucoup d'investissements. Peu de villes peuvent se targuer d'être en cheval sur les Pyrénées et la mer Méditerranée. Bien sûr, nous souffrons des politiques d'aménagement du territoire, de décisions parfois ubuesques et de promesses non tenues. Si nous reprenons l'exemple de la ligne à grande vitesse reliant Perpignan à Barcelone, on s'apercevra que l'Espagne a tenu les engagements fixés lors des accords de Perpignan signés par Jacques Chirac et José María Aznar, voulant que nos voisins ibères amènent la grande vitesse jusqu'à la frontière afin d'être connectés avec le réseau ferré rapide européen. Aujourd'hui, l'État français a failli et est incapable de vous dire à quelle date arriveront ou arrivera le train à grande vitesse. Une anecdote à ce sujet, j'ai rencontré le secrétaire d'État au transport, M. Djebari, et pour vous donner un ordre d'idée, il m'a dit que le tronçon Montpellier-Béziers était à horizon 2035. Ouh ! Inutile de vous dire qu'on n'est pas prêt de voir avec ces gens-là la ligne à grande vitesse passer à Perpignan pour relier nos voisins espagnols. Autant de dossiers que j'ai défendus en ma qualité de parlementaire européen hier, de parlementaire national aujourd'hui, et que je continuerai à défendre en étant maire de Perpignan. Je ne me résigne pas. Obligeant nos habitants les plus jeunes à déménager pour étudier ou tout simplement à déménager pour trouver du travail. Notre situation géographique et notre patrimoine doivent faire de Perpignan un pôle européen en moins de 30 ans. Nous sommes une passerelle entre la France et l'Espagne, un fer de lance hexagonal au cœur de la mer Méditerranée. Pour que Perpignan retrouve sa place, il faut d'abord mener une politique de bon sens, en facilitant la vie de ses habitants. Surtout, il faut s'attaquer aux rentes et aux clans qui confisquent la ville et la figent dans le passé. Nous ne serons plus les otages d'un système. Nous serons les acteurs d'un développement économique, social et culturel dynamique. En ce sens, je ne serai pas un maire partisan ou un chef de clan, comme ils sont actuellement à la ville ou au département, mais bien un juge de paix et un arbitre bienveillant à l'écoute de tous les corps intermédiaires. Je ferai fi des clientélismes, du communautarisme et des copinages pour faire valoir la règle républicaine de l'égalité et de la fraternité. Seule la gestion en bon père de famille prévaudra, impartiale, efficace et rapide. Alors, mesdames et messieurs, n'ayez pas peur. Dites à nos concitoyens quel est notre projet, l'ambition que nous portons, le courage que nous aurons de régler les problèmes, dites-le haut et fort et renvoyons à leurs chères études cette force droite et cette vigueur. Avec que vous allez voir.